Donc en gros, il faudra que j'utilise souvent d'armes de merde pour me défendre, quoi. Ouais, il y avait un mec qui avait besoin d'aide. Non, parce que les zombies s'en prennent pas l'otage! Oh, t'es sérieux? Ah là ça marche. Ah, à mon avis ça doit dépendre des niveaux en fait. Oh, c'était l'air de mine.
Non, c'est même pas par là qu'il faut passer. Bon, bah, c'est pas par là. Ah, mais... Handicapé de la vie. Tu sors d'où, toi? Mais vous sortez d'où? C'est le jeu de jour? Pas censé venir. Non mais... Putain. J'avais un bord et une bord. Mon perso, c'est un handicapé de la vie. Je promets, c'est un handicapé de la vie. Non mais c'est une blague, une explosion en pleine journée, les zombies vont pas venir. Pas les coureurs en tout cas. Bah si, ils viennent, ils viennent. Ils brûlent à sa mort mais ils viennent. Qu'ils fassent un patch pour ça, c'est pas logique, eux ils sortent le jour.
Mais regarde! Est-ce que c'est logique ça? Tranquille, toi, j'étais en train de faire autre chose. Et regarde, il sort d'où lui? Il y a tellement de trucs pas normal dans ce putain de jeu. Me faire chier toi aussi. Putain, oh bah l'autre pute elle arrive aussi. Bah elle arrive. Elle décide de me faire chier. Bleu. Tu peux toujours rêver. Traceur nocturne, mon cul. C'est quoi ton problème? Peut-être que je te trompe? Peut-être que t'es plus rapide qu'une fusée? On va le découvrir. Cause. Un pari. On fait la course jusqu'au toit. Je te parie, Verve. À moins que t'aies peur de l'arbre. Je t'en voudrais pas si c'était le cas. Lambin. Ok. J'aurais bien besoin d'un peu de cash en plus. Bien dit, Lambin. Prêt à me montrer. D'abord, cours à travers la zone Saint-GRE et atteins le toit. Suis le panneau. Quoi? Quel panneau? Pas une course, c'est juste je dois y aller quoi.
Qu'est-ce qu'on s'amuse? Déjà allé là? Oh, quel idée à la con! Quel idée à la con! D'où toi? Bon, t'as apporté tes couilles ou quoi? Prêt à faire la course? Désolé gamin, j'ai pas le temps de jouer. Oh, t'as les jetons, hein Lambin? Putain, mais moi je peux pas m'amuser. Accepter la quête tout de suite. D'ailleurs, le temps qu'il n'y a pas. J'en serais pas si sûr. Thank you.
Putain, la quête elle est pas là, bah oui, en plus c'est logique. Ouais. Beaucoup d'activités nocturnes quand même, hein. Thank you.
Allez, rebelote, ils sont revenus. Putain. Oh, ça m'énerve, ces explosions là. L'entrée, j'ai remis. Bon, à Hitbox, il y a des défauts qui commencent à arriver dans le jeu, hein. Déjà ça! J'ai sauté juste là! Un mec est censé faire un mec assis, il est même pas capable de... Putain! Alors les chutes sont abusées. Eh, dans Mirror Edge, je pouvais faire des sauts de bâtard. Des fois, tu fais des sauts de bâtard même. Ça passe, et des fois, non, ça veut pas passer. Ouais, vas-y, je sais qu'il y a un piège. Voilà. Toi. Mais t'as pas beaucoup bossé aujourd'hui. Moi j'ai l'impression. D'accord. Ah, ils peuvent m'interrompre maintenant. Ah, oh, c'est nouveau. Non, oh, c'est logique. Ouais, donc la maniabilité du jeu est pas 5 points, ça changera pas. Et les sauts. Et les sauts, tu... Alors, surtout que j'ai réduit les dégâts de chute, hein, c'est le pire. Et certains trucs de cascade, c'est mal branlé aussi. Non, gars, ils sortent d'où, eux? D'où? Sont censés pas sortir la nuit, le jour plutôt, hein. Oh, merde. Le premier était déjà bourré de défauts, alors bon, ça doit être pareil, mais avec un 2 à la fin du temps, c'est différent. Enfin, ce qu'ils veulent nous faire croire à eux, mais non, mais. On fait le 1. Comment c'est le début du 1? L'univers, elle est bien, mais attends, c'est qui le connard qui me disait... Attends, non, parce que je me rappelle dans ma vie, je sais plus dans ma vie, qui le connard qui m'a dit les parcours sont mieux maniables dans Dying Light que Mirror Edge.
Regarde, là je vais vouloir descendre, je vais me casser la gueule, tu vois. Non, ça va encore. Là, j'ai tombé au mauvais espoir. On sait quoi, c'est encore un truc de nocturne, putain. Elle est là. Mais oui, donc ouais, le moindre explosion, les zombies qui courent sortent, alors qu'ils devraient pas sortir. Petit bonhomme, où sont tes parents? Ok, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je suis sur une mission importante. Une mission? Quel genre de mission? Une mission, bien sûr. Super secrète. Et je te dirai rien. Tu m'en parlerais si je t'offrais de l'aide? J'ai pas besoin d'aide. Mais si tu veux savoir, je cherche de la nourriture pour mes parents. Je le fais tout le temps, sans problème. Ça a l'air dangereux. Tes parents pourraient pas au moins venir avec toi? Non. Comme je l'ai dit, c'est sans problème. Je gère. Je peux tout gérer. Hé, écoute, t'es incroyablement courageux. Mais j'aimerais beaucoup t'aider. J'imagine que je pourrais toujours t'embaucher. Je peux même te payer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quels sont les ordres, sire? Il y a une boutique sur West Horizon Lane, juste avant d'atteindre la zone chimique. Je chargeais des sacs à dos avec de la nourriture quand ces saletés sont arrivées et m'ont chassé. Rapporte-moi ces sacs à dos et je te donnerai une super... l'arme de mon père. Donc la mission, c'était de récupérer la nourriture pour tes parents. Ouais, c'est ça. Et tu peux... On vit à la limite de la zone chimique. Seul endroit où mes parents sont en sécurité. Ça serait mieux récupérer les sacs à dos la nuit, infectés sont pas de coin. Ouais, si tu le dis, je sais pas. Mais tu le feras, hein? Je peux rien te promettre. On verra bien. Ok. Bon, bah, à plus tard. J'espère. Laissez-moi partir. Mon unité m'a diminué, fils de pute. En fait, le jeu est tout simplement déplacé du sol au toit. Un mouvement temporaliste. Oh, il y a un hurleur entre temps, putain. Péter les couilles. En plus, je peux pas me balader toute la nuit tranquillement sans les UV parce que sinon, eh bah, je me transforme en zombie. Hein? Mais t'as... Mais... Je suis en train de projeter l'objectif. Putain, c'est ce genre de saut que je te parle depuis tout à l'heure. Je suis déjà allé dans ce putain de magasin. Là, je vais me faire mal.
Oui, je l'ai fait tout à l'heure, il y a pas longtemps. Il y a 20 minutes. Ah oui, apparemment, le seul moyen de réparer les armes, c'est de mettre des mods. Et dès que t'as mis tous tes mods, tu peux plus réparer tes armes. Ça, c'est merde. T'as une arme préférée, t'as une arme fétiche. Et bah, t'es baisé, tu la casses. Ça, c'est une autre merde, ça. Pas pouvoir réparer ses armes, c'est hallucinant, ça. C'est improbablement hallucinant. Oui, je sais, dans 2 minutes, je suis mort, je suis... Ouais, voici les sacs à dos. Il est temps d'aller vers cette famille. Bon, ils sont où? D'abord, on va aller... à la cachette. Parce que si on va pas là où il y a de l'UV, on est mort. Putain de système d'immunité de mes couilles. C'est là?
C'est bon, t'as pu bugger, t'as arrêté? Il est là! Enfin! T'as récupéré les provisions? Écoute, c'est de là. Tu sais que t'as. T'es en train de parler de mes parents? C'est. Ce sont. J'ai dit, non? Oh, papa, regardez qui est là! Je vous avais dit qu'il s'enfuirait pas avec la nourriture. Je sais, vous avez faim. Écoute, gamin. Tu sais ce que ça veut dire, mais pas vrai. Qu'est-ce que tu sais? C'est bien. Donc, tes parents, ils sont plus avec nous. Ils se sont transformés. N'importe quoi. Papa, t'as faim? Ils sont malades. Ça pourrait être dangereux pour toi. Je les gère. En attendant, passons aux choses sérieuses. Je t'ai dit que si je t'embauchais pour la mission, je te paierais. T'as la nourriture? C'est bon. Tiens. Génial. Merci. Tiens, maman. Tiens, papa. Régalez-vous. Salut. Je reviendrai pour vous nourrir. Et voilà, c'est la super arme. Mon père n'en aura plus besoin maintenant. Merci encore. Mes parents sont également reconnaissants, comme tu peux le voir. Putain, qu'est-ce que c'est glauque. Une super arme. Les cœurs bleus, ils ont disparu. Oh, tant pis. Un truc là-bas. Oh putain, me dis pas qu'il faut attendre la nuit pour ouvrir ça. Oh bah, on sait qu'il y a un truc.
Bon, bah, allez, on continue, hein. Pas toucher la zone chimique alors eux ils y sont. Ah mais tout le monde veut me faire chier là. On laisse tomber. Voilà, regarde. Je fais un combo comme ça. Le temps qu'il avance, il a déjà le temps de tomber. Je vais en mettre en de courir. Il doit être à l'intérieur. Orbite détectée.
Mais c'est un handicapé, c'est pas possible. Je saute là, il a réussi à se casser la gueule ailleurs. Putain! Merci pour ton intervention. Différemment après avoir passé un moment au trou. Ok, ok. J'ai juste besoin de 15 minutes. D'accord? Si ça marche pas, je suis désolé, mais... Allô, la base? Un autre type avec un biomarqueur rouge. Bien sûr. En attente de lui. Espèce... Pour le loot. Qui a chopé le mec. J'ai presque de la peine pour toi. Tu ferais bien de l'éloigner rapidement. Au moment qu'il a bougé, j'ai appuyé sur le pot. C'est pas punitif, hein. Putain. C'est un meurtrier. Emportez-le. J'aurais jamais imaginé que les traceurs nocturnes avaient vraiment existé. Pour moi, c'était rien de plus qu'une légende. Qu'est-ce que tu deviens ces derniers temps, Hayden?
Bon, on achètera que des légendaires hein, dans les armes. Ok, tout. Réparation du Liberty, ouais, il y a que comme ça en fait, ouais, c'est marqué. Mais ça veut dire que sur une nouvelle arme, parce que là ça me fait que réparer. Je décide. Par exemple. Ça monte pas la durabilité. Donc on va attendre qu'il soit un peu cassé et après tu répares avec les mods. Mais quel système de merde, mais qui a dit tiens, valide ?